Bonsoir. Alors, comment vous allez? Welcome to this show, my people. Bonsoir. Bonsoir la reine Luce. Comment vous allez? Comment était la journée? Bonsoir le roi Kameni. Bonsoir la reine Evarista. Tu es là tôt aujourd'hui, toi. Merci, merci la reine Valérie. Fils d'une des bonsoir. Hello Irène, la reine Irène. La reine Magne, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. La mienne était assez longue. Pas longue, longue, mais déjà, tu vois, tu arrives dans un bureau, tu attends 1 heure. Mais c'était cool. Et plein de choses se sont passées. Arsène Wansi Kamini. La reine Kamini. Bonsoir la reine Nadège. Partagez ma vidéo s'il vous plaît. Choisi. Vous savez qu'on est ici à chaque fois pour parler des choisis. Un choisi, premièrement, c'est quelqu'un. Vous pouvez me donner les caractéristiques des choisis. C'est quoi un choisi? Bonsoir la reine Laure, la reine Bemba, bonsoir. Pour me prouver que vous comprenez ce que je dis ici tous les soirs, c'est quoi un choisi? Merci pour le partage, la reine Valérie. Comment est-ce que vous savez que vous êtes choisi? Bon, je sais quand même qu'il y a souvent des décepticons qui sont dans mes directs. Et ils bloquent certains choisis qui font que les choisis ne parlent pas. C'est-à-dire que ma tante qui m'a bloqué depuis 10 ans là, elle est dans le direct. Il ne faut pas qu'elle parle. Un choisi n'a rien à craindre. La reine Marie-Lou, bonsoir. La reine Domgué, bonsoir. Bonsoir la reine Boma, la reine Yaga, bonsoir.
Donc là, bonsoir. Ok, voyons ce que, si vous comprenez ce que j'ai dit chaque jour. Merci pour le partage, Christine Day. On commence les vraies choses. Seigneur, bénis chaque personne qui va écouter ceci. Qu'ils quittent de la religion et qu'ils deviennent spirituels. Parce qu'ils sont esprits. Que le Dieu qui est en eux se réveille. Je chasse tout sommeil spirituel dans lequel vous avez été avant d'écouter ceci. Je demande que vos pouvoirs vous soient révélés. Vous, les dieux, que vous puissiez réaliser ce qu'il y a en vous. Que vos rêves se transforment en réalité. Que ce que vous avez vu dans vos rêves, comme pouvoir, comme richesse, comme endroit où vous êtes parti, que ça se réalise. Et j'ai prié au nom du premier roi des choisis, au nom de Jésus. Amen. Oui, il y a parfois des choisis qui rêvent tout le temps. Ce n'est que dans ton rêve que tu es riche. Dans ton rêve, tu as les pouvoirs. Quand tu te réveilles, tu dois sur le canapé de quelqu'un. Je vais laver votre cerveau, ne vous inquiétez pas, je suis là vous en. Bon, attendez, regardez vos commentaires. Et demandez ce que c'est qu'un choisi. Dimension, merci. Les choisis sont combattus, oui. Bonsoir Thomas. Une personne qui est détestée, même pas son entourage, qui fait des rêves, qui convainc vite. Ouais, l'or, quand même, ouais. Une personne, ça c'est d'allège. Une personne qui a une autre vision des choses, qui est sûre de toi, de soi. Et écoute son esprit. Beaucoup ne comprennent pas que la religion est différente de la spiritualité. C'est quelqu'un qui a une mission d'apporter un plus dans le développement personnel. Merci pour les compliments, merci. J'ai toujours su qu'elle était jolie, hein? Donc ne vous inquiétez pas. Je suis comme une alchimiste. Je peux... Ne vous inquiétez pas. Merci. Adèle Tchénier, bonsoir. Armand, bonsoir. Le roi Armand. Bonsoir, le roi Feuillot. Les choisis sont des gens toujours persécutés, surtout dans les familles. Vous ne me dites pas les vraies choses. Vous ne dites pas que les choisis sont les super pouvoirs. Vous ne me dites pas que les choisis sont riches. C'est ce que vous voyez que vous avez. Si vous passez le temps à voir seulement que vous êtes combattu, on va vous combattre, vous n'aurez jamais l'argent. Vous n'avez pas dit les bonnes choses des choisis. Que les choisis sont les gens les plus beaux de la terre. Que le choisi prend la plume, il met sur sa tête, il marche nu. On dit que tu as acheté ça où? Donc tous les jours qu'il parle ici depuis un mois là, vous voyez, seulement vous êtes combattu. C'est pour ça que vous bagarrez dans vos rêves tous les jours. Dites-moi encore, c'est quoi un choisi? Vous le dites, c'est quelqu'un qui commande l'argent. Ne me dites pas seulement parce que j'ai dit, ne trichez pas. On ne peut pas le copier ici, là, on ne le copie pas. Quelqu'un qui se soucie beaucoup des autres, ça veut dire qu'on va soucier ton énergie tous les jours. Bonsoir, le roi Lionel. Oh, les commentaires, parfois, ça s'en mêle. Hein. La reine Sabine. Donc, je ne vois pas tous les commentaires, parfois. Toi, en première position, aujourd'hui, ta famille a besoin de toi. Eh bien, voilà. Donne-moi un bon témoignage de choisi. Un choisi, parfois, tu as grandi chez une femme. Elle t'a élevé, elle t'a donné le biberon, tu as grandi. Tu étais peut-être l'enfant de son mari qu'il a eu dehors, ou bien sa nièce. Mais c'est que ton étoile est trop forte. Aujourd'hui, tu as 14 ans ou 16 ans.
elle est en compétition avec toi comme si vous étiez copouse. Parce qu'elle sait que sa part de vie là est finie, mais ta part là, ça ne fait que commencer. Bonsoir, monsieur Mood. Mais oui, un choisi peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. Oui. Ne me dites pas les petits trucs. Quand vous parlez aux alas, c'est les choisis qui veulent rester dans la pauvreté. Un choisi peut transformer n'importe quoi. Jésus, il fallait payer les taxes. Il est venu au bord de l'eau. Ha! Vous ne connaissez pas les choisis, hein? Quand vous parlez comme ça, pour moi, dit que 5 euros, vous allez commencer à demander 5 euros à quelqu'un. Adèle, ton rêve là, il y a l'argent dans le rêve là. Ne gâtez pas votre focus. Sans argent, on souffre. Sans argent, on te dérange. On dit, tu n'as pas les papiers, tu n'as pas la permission de faire ça. Tu ne peux pas passer, tu ne peux pas voyager. Quand il fallait payer les taxes, Jésus dit à Pierre, viens, on part faire un tour là-bas en pirogue. Après, il dit, ok, lance par ici, pêche-moi le poisson là. Ouvre son ventre. Prends l'argent là, tu vas, tu payes les taxes avec. Un choisi, c'est quelqu'un qui ne manque jamais. Il a toujours. Venez voler, vider sa maison, vider son compte bancaire. Viens, tu l'escroques, tu manques, tu vas porter ton argent, tu pars avec. Viens la voir dans 6 mois. En tant que choisi, si tu n'as pas pu transformer tes rêves, ton pouvoir, tes talents, ton inspiration en argent, tu as échoué. C'est moi qui vous dis aura. Je vous dis moi, vous savez que moi, je m'en fous, non. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas moi peur de vous. Vous savez, vous faites vos petits frères, vous manquez de respect. Tu as dit, je suis choisi, tu as prié pour la personne. Après, tu vas dire, il n'y a pas 10 000 pour moi là. Ouais, donne-moi même 50 euros, non. Ah ouais, bonsoir les gens qui viennent d'arriver sur ma page. Je ne parle que des choses positives. Donc si vous venez, vous voulez un peu tourner, un peu faire mon ça, je vous bloque moi. Je vous dis d'abord en passant. Donc soyez les bienvenus. Installez-vous. Ici, je veux de l'énergie positive. Je veux que quand vous m'écoutez, vous sortez de ce direct. Vos revenus ont déjà augmenté dans votre tête. Et dans quelques jours, ça se voit dans vos mains et dans votre compte bancaire. Ça, c'est mon but. Je veux vous aider à traverser les barrières que vous n'arrivez pas à traverser avant. Ça, c'est ma part là-bas. Donc, je suis la reine des choisis. Bonsoir, le roi Kamini. Comment tu vas être de lumière? Un choisi, c'est celui qui connaît son demain. Tu connais ton demain comment? Hello, le roi Calvin Onana. Comment tu vas? Vous pouvez connaître, vous parlez de vos pouvoirs. Vous parlez, on te regarde comme ça. Quand tu penses, enfin, tu viens demander les 5, oh, tu en passes, ouais, 50 000 là, non, ouais, lance-moi un peu. Ouais, prends-moi ta chaussure, non, je veux sortir avec. T'as envie de vous gifler. Et quand vous êtes dans cette situation-là, vous savez que ça, ce n'est pas vous. Vous savez que ça, ce n'est pas moi. Eh, Lydie Kedi, j'ai envie de te dire de sortir de l'église là, mais je ne veux pas les problèmes avec les pasteurs là. Moi, je te dirais, arrête l'église, arrête le boulot, crée ton entreprise. Je pousse un peu plus loin que ça. Tous les choisis doivent avoir leur business à eux, des business. Parce que tout ce que tu touches là, ça va donner.
C'est pour ça que vous enrichissez vos patrons. On ne peut pas te donner le congé de 2 semaines. Parce qu'on sait que si tu pars 2 semaines, le chiffre d'affaires de la compagnie va tomber. Bonsoir Kagero et Béatrice. On sait que si tu pars 2 semaines, le mois là, le chiffre d'affaires ne sera pas atteint. L'objectif ne sera pas atteint. Vous avez à trop enrichir les patrons. Trop même. Un choisi, quand il est dans la galère, il connaît que je ne suis pas censé galérer. Bon, je galère quand même un peu en attendant, temporairement. Et je suis là pour vous dire que le temps est arrivé. Sortez de la maison de vos amis, de vos pères, de vos oncles. Sortez de chez eux. Bonsoir, Opu, bonsoir, 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 bonsoir. Sortez de la maison des gens, quittez sur le canapé des gens. Ça fait 12 mois que tu es chez eux. Tu es choisi. Tu connais ton pouvoir. Ils connaissent ton pouvoir. Tu veux quoi? Parfois, la meilleure chose qu'on fasse pour toi, c'est de te pousser du nid. On te chasse. On dit, va te débrouiller. Comme la maman de l'aigle. Des aiglons. Comme la maman aigle, pardon. Elle te pousse, tu tombes. Pendant que tu as tout dévolu, tu dis, méchante femme, méchante, méchante. Après, tu vois tes ailes, comment ça fait? Oh, mais je vole. Je vole. Je vole. Maman, je vole. Vous rentrez le soir, vous donnez la nourriture, vous mangez. Que l'agent de la nourriture. Écoutez, hein, je suis en train de virer ma vidéo que j'avais préparée. Je vais seulement que dire l'autre aussi. Arrêtez de vivre aux dépens des gens. Arrêtez. Même si c'est 500 que tu peux donner. Ah, tu sais, moi, il ne gagne encore rien pour l'instant. Moi, tu rêves sur tout le monde dans la maison, tu leur dis, ça se réalise. Arrête de faire honte à Dieu. Adèle Tchénier, si tu veux faire tes blocus ici, là, je vais t'enlever. Qui t'a dit que l'argent du business, ça vient du travail? C'est pour ça que ça fait 10 ans que tu travailles. Dès que tu travailles, l'argent disparaît. Vous ne connaissez pas. Restez dans le système. Mais je sens là, je crois que j'ai bu de la gémanfoutase. J'ai bu la gémanfoutase avant de venir vous parler. Oui. Je m'en fous de vos excuses. Je m'en fous de vos excuses. Qui connaît son demain, ça veut dire quoi? Qui a même dit ça d'abord? Vous êtes un peu parti d'ici là. L'on là émane. Fais encore 2 commentaires comme ça, là, je t'envoie dehors. Tu connais quoi sur ton demain? Comme ça, vous vous asseyez, vous m'avez dit que je connais, je maîtrise. Même l'agent du taxi, tu vas aller demander après. Soyez des concrétiseurs. L'indépendance, ça ne se demande pas. Ouais, tonton, tu sais, je veux lancer mon business, tonton, donne-moi alors l'argent, tonton. Tu vas voir l'argent là. Même dans ta relation. Ouais, bébé, le bébé, je veux ouvrir mon shopping. Je veux ouvrir mon petit, tu vois, mon petit. Quand tu veux aller à petit devant un business là, et tu es choisi, oublie. Oublie. Mon petit, petit quoi? Et choisis ne font pas dans le petit, ils font en dessous. Bonsoir, les choisis sont en train d'arriver. Chauffez-moi le direct ici. J'ai les petits choisis, c'est là qu'ils vont me dire que tu dois rester chez quelqu'un, tu dois sur ton canapé pendant 5 ans d'abord. Tu dois aller travailler d'abord avant d'accumuler l'argent pour voir comment tu vas faire. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas besoin d'argent pour vous faire de l'argent? Il y a les gens là-dedans qui ont besoin des services que vous connaissez. Tu arrives quelque part, tu viens au pays. En rentrant, on te dit, apporte-moi le poivre. 5 personnes te disent, apporte-moi le poivre. Tu peux acheter 1 kilo de poivre à 3 000 ou 4 000. Tu arrives là-bas, tu divises ça en 4 paquets. Tu vas un paquet à 5 000.
Donc, tu as eu dépensé 4 000. Tu t'es fait 20 000 francs. Tu n'es pas bête. Tu dis que tu as besoin d'argent pour faire quoi? Tu n'es pas bête. Reste là-bas, tu appelles. S'il vous plaît, allez encore chez la mère chez qui j'ai acheté le poivre là. S'il vous plaît. Allez vider tout son magasin là. Vous lui dites qu'elle m'envoie tout ça ici. J'ai vendu à 2 personnes. 50 personnes m'ont demandé. Vous dormez. Vous m'énervez le soir, c'est là. Hey, comment, qu'est-ce qui se passe? Hey. Vous dormez trop. C'est ça que certaines personnes ont délaqué ma page aujourd'hui. Ça, c'est le jour. Today, not today. This is the day. Tu restes comme ça. Tu achètes un vêtement. 4 personnes te demandent dans la journée que tu achètes ça où? Waouh. Hey, tu achètes ça où? Waouh. Tu as acheté à 5 000. Tu dis à quelqu'un que j'ai acheté ça à 20 000. Il dit, ok, je vais te donner l'argent, tu peux acheter ma part. Tu es là comme ça, il n'y a pas d'argent. Tu es bête. Hey, tu m'énerves le soir, c'est comme ça. Pourquoi? Ouais, excusez-moi. Yay. Mais. Il te faut l'idée. L'idée. Tu sais, j'attends l'argent. Tu sais, le père là m'a promis que s'il couche avec lui, encore 2 fois seulement, j'ai accouché 6 fois avec lui, il reste 2 fois. Il va me donner l'argent à la fin du mois. Attends bien même. Il va sucer toute ton énergie là. Il va laisser faire 30 millions de francs avec ton argent, avec ton énergie. Ah, merci. Merci beaucoup, Célestine. Je suis très belle ce soir, ouais. Merci. 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 Je vais rougir. Ouais, Seigneur. Les choisir. Hein. Tu restes comme ça là. 3 personnes te demandent que tu connais. Je cherche un appartement à louer. Tu connais, même dans ton quartier, tu connais au moins 10 immeubles qui ont les endroits vides. Ils louent. Tu ne peux pas connecter. Connecte les dots, comme on dit. Connect the dots. Opportunité. Opportunité. Monsieur, tu cherches l'appartement, non? Paye-moi. Donne-moi seulement la moitié d'un mois. Ça fait combien? Tu veux l'appartement de combien? 100 000. Donne-moi, ça fait 50 000. Là-bas, c'est 180 000 divisé par 2, ça fait 90 000. En 3 jours, tu vas rester comme ça, tu vas dans ta poche 250 000. Parce que tu as connecté 2 personnes ensemble, 3, 4, 5, 6 personnes. Arrêtez. Oh, les choisis, les choisis. L'argent est facile pour les choisis. Je vous donne la permission, hein, de liker ma page, s'il vous plaît. De liker ma page. Parce que j'ai fait mes programmes, j'avais dit 200 000, 300 000. Oh, j'ai 5 000. Wow. Wow. Je ne veux même pas parler avec les personnes là. Je ne veux même pas te parler. I don't want to talk to you. I'm serious. I don't want to talk to you. Non, je fais les rêves. Quand je dis aux gens, ça se réalise. Enlevez la honte sur vous. Enlevez la honte. Ne venez pas faire le rassemblement ici tous les soirs comme ça, on se moque de vous. Elle fait essuyer, dit quelque chose sur la couche aussi, non. Regarde là-bas. Si vous n'avez pas un résultat, pardon, délaquez ma page. Je vous en prie. Il faut que je voie même 5 likes qui sont partis là. Toujours en train de compter. Hey, là, hey, je n'ai pas l'argent. Hey. Tu pries pour quelqu'un guéri. Tu restes dans le rêve. Tu vois comment telle personne. Tu peux voir les choses des gens. Dis que Seigneur, quand je vais me coucher aujourd'hui là, donne-moi 3 idées de business dans mon sommeil que je vais mettre en pratique. Ça va me donner le million. C'est aussi parce que votre focus est. Vous êtes focalisé sur n'importe quoi. Oh, t'as vu, regarde comment. On est venu manger son pied la nuit. On est venu faire comme ça là. Vous parlez tous les trucs qui n'ont pas de sens. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Oh, ma tête me fait mal. Oh. Hé, hey, vraiment, tu sais,
Un jour, j'ai eu mal à la tête jusqu'à maman. Je suis arrivée à l'hôpital. Je me suis couchée. Le médecin a mesuré, ça fait 40 degrés de température. Qui veut savoir ce que ton mal était? J'en ai rien à foutre de ton mal de tête. Qu'est-ce que tu peux faire qui va te faire avancer? Qui va lever la honte sur toi? Si vous m'écoutez après 2 mois, rien n'a changé dans votre vie. Vous n'avez pas lancé un petit business. Écrivez-moi pour dire, vraiment, je suis désolée, la reine, je vais me désabonner. Vous partez. On ne va pas parler des pouvoirs tous les jours là. Quand tu regardes un film, tu vois dans le film que quelqu'un a les pouvoirs. C'est pour ça que j'aime beaucoup Batman. Oh, de tous les super-héros, j'aime Batman. Parce que Batman a l'argent. Et il est un super-héros. Il a les pouvoirs, il a l'argent. Ça ne va pas, tu veux vivre gagner un jet privé là-bas. Ça ne va pas, il veut gagner une grosse voiture. Ça ne va pas, il fait tel gadget sur là-bas. Parlez-moi de quoi? You need your money. You need your money. Je sais pas ce que j'ai écrit sur le direct, c'est. Mais je ne vais pas parler de ça. Bonsoir, la reine Grâce. Depuis que vous m'écoutez, quand vous rentrez, vous prenez les popcorn, vous asseyez. Ouais, parlez. Oui, amen. Hey, like. Rien n'a changé dans ta vie. Ce soir, on se sépare, c'est le divorce. Tu es encore chez ta soeur. C'est encore ta soeur qui doit t'envoyer l'argent. Quand elle parle comme ça, ça fait mal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ça vous fait mal. Vous avez mal. Mais pourquoi elle me dit mes vérités? Parce que ta soeur n'ose pas te dire. Je vais te dire ce soir. Gosse, Simon. Je vais te dire. Tu as 30 ans. On t'envoie encore l'argent. 38 ans. Je suis choisi. On mange ça. Si tous tes pouvoirs là, ça ne peut pas te faire que tu te lèves. Tu dis, je vais commencer ça, je vais réussir. Oublie que tu es choisi. Oublie même le mot choisi là. Oublie le mot choisi ou élu. Oublie. Ne dis pas à quelqu'un que tu es choisi. Ne gâtez pas la réputation des choisis. On dit qu'on fait le meet-up. La place d'abord, c'est 100 000 francs peut-être à un des hôtels 5 étoiles ici-là. Après, on arrive, on s'en va. Le soir, là, on dépense. Chacun mange même seulement la même. Tu manges la nourriture, le vin de 150 000. Tu viens, tu dis, oh, il n'y a pas pour 10 000, pas pour 5 000, pardon. Il y a les témoignages. Avant, il m'appelle, j'écoutais souvent Coach William. Je l'écoute. Je dis, il parle de l'argent, c'est facile, ça m'énerve. Je dis, mais est-ce qu'il connaît? Non, s'il connaît, comment il souffre. Il doit pas. C'est m'énerve. Et je passe sur sa page, je vois ses services. C'est cher, ça m'énerve encore. Je dis, mais il se prend pour qui? Pour qui cet homme? Mais entre temps, je me dis tout dans mon cœur que je crois que j'ai un service de 2000 euros qu'il voulait. Je m'étais que quand j'aurai les 2000 euros, il y avait l'autre là 350 euros. Quand j'aurai l'argent, il va payer. Bonsoir, Ewole. La reine Ewole, bonsoir et bienvenue. Devenez allergique à la pauvreté. Puisqu'on vous cherche comme ça, tu as eu la nation, tu dis que ouais, on n'a pas l'argent pour faire ça. Tu dis que moi, je ne suis pas mal là, ou pardon. Je ne suis pas mal dans tout là. À un moment, vous devez décider que ça quitte sur moi. Que ça quitte sur moi. Il me lave, ça sort. Habituez-vous. Parce que tu ne peux pas arriver là où tu n'as pas vu. Et c'est ce que tu dis aujourd'hui qui va se manifester dans ta vie demain.
Donc, passe ton temps à parler du manque. Passe ton temps à parler comment oh, on allait là-bas, ça n'a même pas. Oh, oh. Ne t'inquiète pas. C'est ça que tu vas voir. Ça arrive. Non, tu sais, on m'a dit qu'il faut que je supporte d'abord comme ça, même 4 ans. Après, je vais... Les gens deviennent millionnaires en 6 mois. Les choisis. Pourquoi t'as pas, tu dois attendre 5 ans. Bonsoir, la reine Sylvie. Et c'est que quelque part, pour l'instant, vous êtes encore employé, vous travaillez pour quelqu'un. Et la personne vous a conditionné le cerveau, le genre que c'est moi ton Dieu. C'est moi ton Dieu. C'est moi ton Dieu. Tous les mois, c'est moi qui dois te donner tes 500. Mais si ce n'est pas moi, ta vie n'avance pas. J'ai parlé de quoi? Après, souvent en Europe, ils te disent que non, on te donne le CDI, on te donne telle lettre. Avec la lettre là, tu peux aller où ça? Tu ouvres ton compte bancaire ici, tu pars, tu prends le crédit. Voilà, c'est tout. Ça vous plaît jusqu'à. Regardez comment vous fermez l'esprit. Bonsoir, la reine Manon. Comment tu vas? Il y en a parmi vous, il n'y a que dans les rêves que Dieu peut mettre l'or sur vous. J'ai rêvé, je me suis vu dans une robe de diamant. Je me suis, parce que Dieu connaît que même si c'est dans la réalité, là, tu ne peux pas te voir un jour en train de porter une robe qui a les diamants. Hé, hey, que j'ai pris l'argent de ça. Hé, hey, maman, ce que c'est cher jusqu'à. Maman. C'est pour ça qu'il ne peut passer que dans tes rêves pour te donner la vie là. On a lu hier la Genèse. Je vais vous prendre la Genèse. Au commencement était. Au commencement était. Au commencement était. Et était avec. Et était. Et était. Bible, inspire-moi quand je lis. I need to get it. Regardez comment Dieu fait. Dieu ne parle pas comme bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Au commencement, hier dans l'étude biblique, j'ai fait un jeu, j'ai remplacé le nom, le mot Dieu par le mot Jocelyne. Et je demande que vous puissiez remplacer le mot là par votre nom. Ça va prendre tout un autre sens. Je vais vous faire connaître la Bible sous un autre angle. Quand vous allez vous lever maintenant, vous allez vous dire que ma Bible est où? Ma Bible est où? Parce qu'on parle de moi dans la Bible là à un autre degré que je ne connaissais pas avant. This word is so sweet. Oh. Lisons! Au commencement, Jocelyne créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La vie de Jocelyne n'avançait pas. Sa vie était bizarre. Les décepticons venaient la tromper par terre. La famille prenait tout son argent. Sa vie était aussi comme ça, sans sens. Lisons. Qu'est-ce que Jocelyne a fait? Jocelyne dit que la lumière soit. Pion, la lumière est. Jocelyne vit que la lumière, elle voit que la lumière est bonne. Au pont, lumière, au pont. Au pont. Jocelyne donc sépara la lumière d'avec les ténèbres. Jocelyne appelle donc. Là, je commence à créer ma vie. Donc, tu as dit de m'écouter ce soir. On s'occupe encore de toi financièrement. Quand il faut faire un déplacement, tu vas voir ton tonton, tu dis, ouais, donne un peu l'argent. Je viens te montrer comment tu vas faire pour sortir ta tête du trou là où on t'a mis. Tu t'es mis, on t'a mis, tu t'es mis, on t'a mis. Tu t'es mis.
On t'a mis. Jocelyne appela la lumière jour. Jocelyne appela. Oh, elle commence à nommer les choses dans sa vie. Verset 6. Jocelyne dit qu'il y a une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Jocelyne commence à dire, ok, comme j'ai créé le business à Douala, il faut maintenant qu'on étende ça. Après, on met en ligne. Après, on tourne, on divise, après, on livre là-bas. Oui. Elle s'assoit, elle voit, elle dit. Elle dit. Je vais vous prendre des mots spécifiques dans ces passages quand je lis maintenant. Bonsoir et bienvenue. C'est fille. Ok. Verset 7. Et cela fut ainsi. C'est-à-dire, elle a fait quelque chose et ça a été établi ainsi. Verset 8. Jocelyne appela l'étendue ciel. Elle a nommé quelque chose. Verset 9. Jocelyne dit. Et cela fut ainsi. Verset 9. Le début et la fin. Verset 10. Jocelyne appela, elle nomme. Et Jocelyne voit que c'est bon. Verset 11. Jocelyne dit. La fin du verset 11. Et cela fut ainsi. Écoutez-moi bien. Je vais vous apprendre à contrôler votre vie. Vous laissez trop de personnes parler dans votre vie. Tu restes, tu vois, tu crois que tu peux percer dans le maquillage, le make-up, les décos d'événements. Comme il y a un tonton qui donne l'argent pour l'instant. Il dit non, ça ne donne pas, laisse-moi tout ça là, ça c'est les trucs de Facebook là, ça ne marche pas. Tu laisses. Continuons. Je veux que vous vous posiez des questions sur votre vie. Là où je suis ici, là, ça fait 2 ans que je suis ici. Parfois, j'essaye de sortir de cette prison. Après, elle retombe encore. Parfois, elle dit qu'elle veut déménager. Dès qu'elle dit qu'elle veut déménager, tout mon argent disparaît. Je n'ai plus l'argent pour aller prendre la maison. Je connais vos situations. Je connais vos situations. Il va aller au Canada. C'est là que tout l'argent disparaît. Tu peux même faire le crédit à la banque. Tu commences à lire. Arrange avec ta bouche d'abord. Lisons. Verset 12, à la fin, Jocelyne voit que c'est bon. Verset 14, Jocelyne dit. Verset 15, et cela fut. Verset 20, Jocelyne dit. Verset 22, Jocelyne bénit. Dernière fois où vous avez béni votre activité. Quand tu finis de peindre comme ça, tu regardes, tu dis, this is good. Apoum, apoum. Apoum. Apoum, apoum, apoum. Je te bénis. Vous négligez trop votre parole. Vous laissez quelqu'un vient. Ah, c'est là que tu es. Si c'est le cas, si cela ne va pas bien pour faire le business, hein. Vraiment. Tu n'as pas béni, quelqu'un est venu bénir pour toi. T'inquiète pas. La prochaine semaine, tu vas souffrir, tu vas voir, tu vas lire. Continuons. Continuons, Genèse chapitre 1. Bonsoir et bienvenue, si vous venez d'arriver. Verset 24, Jocelyne dit, et cela est fait ainsi. Verset 26, Jocelyne dit, et elle créa, verset 27. Elle finit de créer, elle bénit. Ah. Je vois pas un endroit où la Bible dit que après c'est tombé.
Après, ça n'a plus marché. Certains d'entre vous, vous allez lancer votre business la semaine-ci. Quand vous allez lancer, vous allez ouvrir. Vous allez même déclarer même que vous trouvez vos magasins. Certains d'entre vous, vous allez toujours chercher le magasin depuis même 6 mois. Recevez votre magasin ce soir. Je déclare qu'on localise le magasin que je cherche depuis, dans la zone que je désire. Recevez vos magasins. Recevez maintenant. Amen. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre. Matthieu 28. Vous ne connaissez pas ce que vous portez, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Tu marches tous les jours là. Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous donne maintenant. Allez. Allez. Quelqu'un te dit que je contrôle, je maîtrise. Que tu vois le ciel là, non? Je maîtrise. Tu vois la terre, sinon? Je maîtrise. Pas. Je t'envoie pas. Tu doutes de quoi? Où es-tu de douter? Tout à l'heure, je disais à 18h dans la prière que quand vous allez comprendre que votre vie dépend de ça, on va plus vous forcer de lire la Bible. On va vous convaincre que Jésus était noir, blanc, ceci. Je ne veux pas savoir. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il avait le pouvoir. Et il m'a donné. Donc, j'ai le pouvoir. Vous allez devenir insolent. Vous allez devenir insolent. Elle se prend pour qui? Tu crois que quoi? Je crois. I believe. I believe I am. I believe I am. Believe for you as well. Crois pour toi. Certaines parmi vous, vous allez sortir, vous allez vous lever demain, vous allez dire que tonton, je pars samedi. Vous allez sortir de la maison là. Que merci, tu m'as hébergé longtemps comme ça. Merci beaucoup. Je pars. Can you hear my heart girl beating away? Can you hear that boom 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 like a superstar? Boom boom boom. Hey hey. Quand tu connais que tout t'est donné, tu ne peux plus être de mauvaise humeur. Vous m'entendez? Que ça sort d'où? Ça a été envoyé par qui? Si je comprends souvent Jésus que quand il arrivait. Et tous les disciples en train d'essayer d'exorciser un enfant. Oh, hey, sors, sors. Il dit, où est votre foi? Combien de temps faut-il que je reste avec vous? Ouais. Combien de temps? Regarde, il dit sors. Sors maintenant. Donc il n'est pas en train d'essayer, il n'est pas en train de tester, il n'est pas en train de. C'est pour ça que quand il marchait, il passe. Hey, fils de David, je suis comme la démarche. Tu as peur,
Pensez un peu ça. Vous pensez qu'un roi, quand il marche dans la vie, il marche seulement comme ça là. Non. Merci Bifaka, merci pour le compliment. Il marche, la tête soulevée. Il ne va pas dire, oh, je n'ai pas l'argent pour payer le loyer après. Hey, est-ce que mon patron va même me payer? Vous voyez un peu, il y a des choses dans votre vie quotidienne qui ne correspondent pas avec votre statut de roi. Imagine un roi qui arrive, dès qu'il arrive au boulot, oh, tu dis, mais tu es venu en retard, pourquoi? Hein? Regarde-le. Mais patron, je suis un roi. Il dit, moi, ça, c'est moi qui te paye. J'ai demandé au début de cette vidéo que Dieu vous ouvre l'esprit. Je vais venir vous sortir tous les trous dans lesquels on vous a mis là. Je vais vous sortir de là. Et ce n'est pas la parole. Luc 4, verset 18. J'annonce au captif la délivrance. Le captif vient, il ouvre sa prison lui-même. Crac, crac, crac. Il ouvre la porte. Crrr, il sort. Je reste dehors, je vous dis. Tu n'es pas censé être là-bas dedans, tu sais ça. Tu fais quoi là-bas? Non, tu ne comprends pas. Le genre de prison, si les barreaux sont costauds comme ça là. Il faut d'abord attendre même 10 ans. Hein. Il passe ici là pour vous les prisons, si une fois tous les 10 ans. Vraiment. Hein, tu. Ah, non, non, non. Ouvre la porte. Pousse la porte comme ça. Là. Oui, ouvre, tu sors. Non, 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 regarde, nous sommes ici là depuis, hein. Hein. Tu vois l'homme sinon, il est plus fort, regarde, il est costaud. Il ne peut pas pousser la porte ici. Laissez les excuses. Sortez. Oh, je vais faire un petit direct aujourd'hui. Oh, you make my heart keep beating away. Can you hear that boom, 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 baby, like a superstar? Orga, on devait se parler. Je vais couper le direct, c'est parce qu'il faut qu'on se parle. Non, je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Bon, j'ai été très courte et précise, sharp, spécifique. Si vous êtes tombé en milieu de ce direct, allez écouter encore. Vos finances en dépendent. Votre confiance en vous en dépend. L'argent que vous aurez en octobre dépend de ce que j'ai dit. Comment est-ce que le déménagement vous prend la tête de quelqu'un? Tu parles de quoi? Bifaka. Déménagement prend la tête de quelqu'un. Toi, au moins, tu as osé même déménager. Il y a des gens qui m'écoutent ici, là, depuis un mois et demi que vous m'écoutez. Vous êtes tous dans la même maison. Dans la nuit, là, les maux de tête, ça vous touche bien même. Tu n'es obligé de supporter aucune situation. Merci, la reine. Merci. Ça ne va pas. Porte tes pieds, tu sors. La nuit, là, tu auras l'inspiration pour ton prochain pas. Ouais, Abraham est resté au salaire de chez son père. Il a dit, papa, je pars. La nuit, si Dieu m'a dit de partir, je vais encore rester quelques semaines, mais bon, je pars, je ne peux pas mon départ, papa. Papa dit, ouais, mon fils, je vais mourir dans 40 ans, je vais te laisser la maison. Il dit, papa, je dois partir. I gotta go. Ok, c'était tout pour ce soir. Ouais. Je dois beaucoup dormir cette nuit. Oui, donc il y a un truc pour. On sait même pas tôt, ouais, parce que j'ai aussi beaucoup enseigné tout à l'heure. Ouais, c'est quand même tôt. D'habitude, je finis à 21h40 et tout ça. Ouais, c'est quand même tôt, ouais. Le roi Kamini, bonsoir et bye bye. Donc,
Et de là, pas bifaka. Ok. Vous passez une bonne soirée. J'ai encore au moins 300 vidéos sur cette page. Ouais. Si vous me mettez en boucle quand vous dormez, je pense que vous allez m'écouter au moins pendant 12 jours sans que ça ne s'arrête. Bon. Passez une très belle soirée. Boy, you get my heart, keep it.